Bonjour, donc dans ce tuto, on va voir comment tout désélectionner. Donc ça c'est facile, hein, généralement quand plusieurs entités sont sélectionnées comme c'est le cas ici, il suffit de cliquer en dehors du dessin. En revanche, si je zoome fortement sur mon dessin, je n'ai nulle part où cliquer. Donc si ça c'est sélectionné par exemple, je serai obligé de dézoomer pour pouvoir cliquer en dehors de mon dessin. Ça c'est pas très pratique. Donc là ensuite on peut revenir ici avec la vue arrière, la précédente, pour arriver au même aspect. Je vais vous montrer donc deux astuces ou deux techniques différentes pour éviter justement de dézoomer comme je viens de le faire. Cela nous permettra d'avoir une capture d'écran donc sans aucun pointillé comme c'est le cas ici par exemple hein, sur la flamme ou sur un trait, peu importe, ou tout simplement pour voir réellement à quoi ça ressemble sans aucune sélection. Si c'est juste une face comme c'est le cas ici, ça c'est facile, on reste appuyé sur majuscule, donc il y a le plus et le moins. Hein. Quand je clique sur la sélection, ça la désélectionne, j'arrive à voir donc un dessin sans aucune sélection. La deuxième astuce, donc je resélectionne à nouveau plusieurs entités. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche P pour prendre pousser, tirer. Là, ça m'a tout désélectionné et j'appuie sur la barre d'espace pour revenir avec l'outil sélection. Pensez à vous abonner, à cliquer sur les petits pouces j'aime et sur quelques pubs pour soutenir la chaîne. Voilà, donc ce tuto est terminé, donc j'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie et à bientôt.